Hey, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Monsieur le Boss. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Attendez, ah ça me gratte les pieds. Ouais, donc je disais, nouvelle vidéo sur Soma. Donc un jeu que je voulais me payer depuis longtemps et que j'ai mis dans ma liste sur Steam. Et je l'avais mis depuis quelques mois. Ça fait presque un an que je voulais l'acheter. Enfin, si je crois qu'il est sorti déjà il y a presque un an. Je sais pas. En tout cas, je voulais me le payer depuis longtemps et il est au prix de 20€ sur Steam. 28, ouais. Il était à 28 et en fait, j'attendais une promo et heureusement, ils l'ont descendu à 11€. Ça fait que j'ai pu le gratter à 11€ et c'est une bonne affaire. Voilà. C'était pendant des promos, je sais plus c'était quand. Donc j'ai acheté le fin septembre. Bon bref, on s'en fout de ma vie. Donc ça va être un jeu assez sympa et flippant en même temps. Mais par contre, à ce qui paraît, il n'est pas vraiment flippant. C'est plus un jeu où vous suivez l'histoire, on va dire. Et c'est ça qui m'intéresse, de toute façon. S'il y a une histoire et en plus on a des petits jumpscares de temps en temps, c'est vrai. La réalité, c'est ce qui ne disparaît pas quand on arrête d'y croire. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Ouais, c'est un peu fort. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Ah c'est bon, on joue là. Eh hey, tu vas fermer ta gueule. Tais-toi. Ah bah voilà. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan, I remember. Are you alright? Yeah. Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Essayez jamais de lever une machine à laver, sinon il se passe ça. Oui, je sais pas si vous voyez le pansement, il est transparent, donc... Bref. Je vais boire une petite tasse de café. Attendez. Slurp, slurp, voilà. Alors, je vais la mettre dans l'évier. Ah, comme quelqu'un de civilisé. Ah, on a un message. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Ok. Ah c'est mieux. Plus de lumière. Ah d'accord, bah il n'y avait pas besoin de lumière. Il fallait juste ouvrir les rideaux, c'était bon. Ah il travaille dans un labo. Il a oublié d'appuyer sur envoi. Et bah voilà. Bon il le fait maintenant mais c'est un peu trop tard. Ah d'accord, on prend ce type. Il a pris ses pieds. Oh, il est fort. Quel maître de la photographie. Il cherche un produit, si je me trompe pas. C'est bien, vous pouvez interagir avec presque tous les objets. Il a peut-être glissé en dessous son lit. Hein. En fait, il cherche un produit radioactif. J'ai pas cherché dans les... Ah ouais, faut que... Oh, il bouffe que de la merde. Regardez-moi ça. Ça, c'est moi plus tard, dans mon appart. Il y aura que ça. La pizza et tout. Ah. Voilà, ça va, je suis encore chez mes parents, donc je bouffe encore sainement, hein, on va dire. Mais ce qui est chiant quand t'es tout seul, c'est que voilà, quoi. Tu peux pas trop... Bon, en plus, je suis nul en cuisine, donc je ferai pas des trucs de malade, hein, je vous le dis. Ah, il est là. C'est pour ça? Tu te fous de mon gueule.
Non mais tu vas pas le boire quand même. Tu vas le boire? Tu vas pas le boire. Ah bah si, il va le boire. Non. Feels like milk, but the taste. It's like sucking on a penny. Ah pourquoi tu l'as fait, connard? Pour rester dans l'appartement tout le jeu. Ah, on est dans le métro. Très bien. Un clodo qui parle tout seul, un mec de Men in Black et une dame bien sage. Et qui est plutôt pas mal. Ah, Jess le grimoire. Ignoré, c'est le bêta. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, over and out, buddy. Il lui arrive quoi à lui? Ah d'accord. C'est dommage, on peut pas descendre nous-mêmes. Where is everyone? I thought this place would be busy. Ah bah les emmerdes commencent. Je me demandais quand est-ce que... Donc là on est chez le docteur Sushi. Hein, si je ne m'abuse. Tiens, on va faire les trucs à sa place. Hein. On va ouvrir les rideaux, parce que tout le monde s'obstine à rester dans l'obscurité dans ce jeu, on dirait. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de lumière. Ah d'accord, même la lumière, elle a disjoncté. Eh, des papiers, là. Peut-être regarder sur leur PC. Comment ça que c'est possible? Très bien. Ah, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui est né. Oh merde, je connais pas le code. Attendez, je vais me renseigner puis j'arrive. Alors. Je suis sûr que c'est dans accès impossible. Pourquoi j'ai pas ce foutu code? Non, en tout cas c'est pas la tasse. Faut que j'appelle Sushi. Hein. Ah, ouais. Son téléphone est éteint, bah oui il est mort. Ouais. I can figure this out. Ok, bon. Oh. Mais bien soudain, tu as une idée. Ah non, pas grimper dans les conduits. Pas dès le début du jeu, quoi. Je sais pas, j'ai envie d'essayer 0-0. Regardez ce que je peux faire. Ouh. Tiens, le téléphone. Quel gamin. On cherche par tâtonnement. Rangez votre scalpel, le cerveau peut guérir tout seul. Super. J'ai même entendu de plus grosses conneries. Oh, une clé USB. Ça va pas trop me servir. Hein. Alors, 25-01. Oh! Ah bah yes. Le premier truc qui est noté, c'est bon. J'ai jamais compris ce signe, en fait. Moi, quand j'étais petit, je sais pas si vous avez, dès que je voyais une porte avec ce signe-là, en fait... Je pensais que quand t'ouvrais, ça allait t'exploser la gueule. Du coup, j'arrêtais pas de saouler ma mère avec ça. Genre, je me disais, ouais, si j'ouvre cette porte, ça va m'exploser la gueule, en fait. Elle me disait, non, pas du tout. Pas du tout, c'est juste pour dire que c'est dangereux. Bah, je lui disais, donc on peut mourir. Elle m'a dit oui. Eh, mais il est là, ce bâtard. Oh, hi. I didn't hear you come in. Simon Garrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. Monsieur Sushi, oui, je suis pas encore docteur. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Oh non. Non, non, non. Je vais pas dans ton simulateur de jeu d'horreur.
T'es sérieux là? Le pire c'est que je sais ce qui m'attend, mais j'ai dû y aller pour faire le jeu. Please, have a seat. Mais t'attends, sushi, ok. Tiens, je te mange au petit-déj. Je suis en train de visiter, si tu permets. Just have a seat. We'll be out of here in no time. Oh, mais ta gueule un peu. T'as mis rien à faire dans ton bureau, wesh. Très bien. Je vais m'asseoir, monsieur Sushi. Parce que j'ai décidé de m'asseoir, hein. C'est pas parce que c'est vous qui l'avez demandé. Just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Est-ce que ça fait mal? Steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Cheese. Et bonne mort. Ah, mes yeux. Alors, qu'il s'est passé quoi? Hello? Mr. Munchie? Les emmerdes commencent, voilà. Je vais me faire violer. Did something go wrong? Ça ne s'est pas bien passé du tout. This isn't funny. Attends. J'ai pas de lampe de poche. I'm not supposed to put myself in. Hein? Ah, j'ai cru que c'était du sang. Mr. Munchie. Stressing me out. Moi aussi ça me stresse. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Regarde, monsieur Sushi, on va lui lancer une botte. Hey! Anyone? Arrête de crier! Bon. Je crois que je pourrais la balancer sur personne. Donc on va oublier cette idée. Déjà, je vois rien. Attendez. Oh là, ça flash direct, là. Ah bah, c'était bien du sang. Déverrouiller le terminal depuis la console de service. Très bien, on va essayer. Je suis même pas encore sorti de la salle, ça fait ça? What the fuck? Insérer l'omnitol pour accéder au système. Alors, on croirait que je joue à Alien Isolation, sérieusement. J'ai fait le jeu sur Xbox One. Programme d'installation de puces d'omnitol. Super. Ça me fait rappeler Alien, hein, franchement. Alien, je me suis bien chié dessus. Et je faisais pas encore de vidéo. J'ai joué à Alien. Hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon vous m'auriez vu me chier dessus à chaque fois. Ça aurait été marrant, mais bon, comment j'ai galéré pour faire le jeu. Ah d'accord, très bien, donc... On va s'en souvenir de celle-là. C'est ouvert, là? Ah, c'est pas ouvert. C'est cadenassé aussi, je pense. Lit toilette. Ok, personne dans les toilettes. Personne là non plus. Ah, c'est quoi ce truc dégueulasse? Il y a rien d'intéressant dans ces salles, c'est un truc de ouf. Oh.
Hein? Oh, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to log off the comms app. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we're leaving our power running so we don't have to return. How did I do that? Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas comment t'as fait ça, mais ils ont eu peur de qui et pourquoi ils ont voulu bloquer les. Alors cette porte, je la sens pas, hein, je vous le dis direct. Voilà, déjà, ça me met des flashs dans la gueule. Pathos 2, Upsilon. À chaque fois qu'il touche des trucs, il a des souvenirs, des espèces de visions. Qu'est-ce qui se passe? Tout seul, un peu comme Alien au fait. Au début t'es calme et tout, t'es tout seul, c'est après que ça part en couille. Et un autre truc là, maman, arrête de flipper. Maman, 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 maman. On arrête le let's play. Donc on vient de défoncer la porte. Avec un... Il y a un mec qui se faisait violer, je pense. Je me casse. Je vous préviens, j'ouvre, mais je garde mes distances. L'Omnitol est une interface avancée conçue pour détruire tout ce qui bouge. Oui. Très bien. Bon, j'ai un peu looké, mais c'est un peu ça. C'est quoi ça? Oh, c'est comme dans Alien. Comme dans Alien, le truc pour détecter le xénomorphe. Qu'est-ce que c'était stressant, ça? Dès que ça faisait bip 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 bip, tu savais que t'allais crever. Et c'est un peu copié, n'empêche. Hein. Hey. Calme-toi avec tes bruits. Hein. Je dois repartir avec, c'est ça? Ah bah oui, je dois repartir avec. C'était là la salle. Hein. Je vais m'enfermer. Ah oui, c'est là qu'on avait besoin de l'Omnitol. Insère-le! Ah, c'est le. Analyse de l'Omnitol. Alors, lancement de l'installation, avertissement accès. Omnitol. Manipuler la puce outil. Non, inséré. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knock down the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really.
My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Ah oui, c'est une bonne idée d'aller te voir. Ah oui, j'ai ouvert quelque chose. J'ai ouvert la boîte à outils. Je sais pas où elle est. Maxi outils. Ouais, mais elle est où? C'est que comme j'ai pas de lumière, je sais pas où elle est. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, faut l'omnitol. Je l'ai laissé là-bas du coup. Il y avait rien à faire. Donc les amis, au fait, je suis con. J'avais pas vu que ça avait ouvert un truc à gauche. Voilà, donc c'était juste là. Voilà, j'ai rien vu. Je viens juste de le découvrir. En fait, fallait mettre dans le nitol. Ensuite, vous... Et vous me faites manipuler la puce outil. Mettre à jour. Voilà. Et on attend que l'appareil s'active. Ensuite, on pourra partir avec, je pense, pour ouvrir la porte que vous avez vue tout à l'heure. Là où il y a le truc bizarre qui était... Voilà. Voilà. Adios. On est sous l'eau. Eh ben, on va s'amuser. C'est une base sous-marine. Apparemment. On se croyait dans BioShock là par contre. Encore une vision. C'était pas une vision très importante, on va dire. Oulala, c'est parti en couille ici. Hein. Je suis enfermé. Hey. D'accord. Quoi, laissez-moi tranquille. C'est pas moi ton ennemi, wesh. What was that? Il fallait pas toucher. It doesn't hurt anymore. Ah super, un conduit. J'adore les conduits. Faites pas du tout. Hein. Je dirais le mec il a plat ventre, limite. Oula, ça a bugué le jeu. Hein. On est vulnérable en plus. Ah bah je crois que c'est là. Ouais, c'était là. Il doit se passer un truc chelou à l'intérieur. Ah j'en étais sûr. Plein de bugs ici. Hein. Oula, il y a plein de débris de machines aussi. Hein. Oh, Wally. Il est même pas mort. Ah, il était branché au truc. Hey. Ça va? Can you hear me? Ah, faut que je la débranche. Quoi? Signal radio bloqué, puissance insuffisante. Tiens, attends, je vais t'aider à mourir. On martyrise le pauvre robot, c'est pas ça. Ah mais c'est le jeu qui veut que je le fasse. Ah merde, elle est morte. Ah mais t'étais branché en... T'es en train de te faire viruser et tu veux que je te laisse. Ouais, c'est le jeu qui me l'a demandé, désolé. Yes, j'ai compris. Ouh, c'était chaud. Alors...
Ouh là là, les tours par minute là. Ça met 600 tours minute. Oui. Ouais. Se calmer les amis. Qui a parlé? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalom, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Avec Dr. Sushi. What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Très bien. On va enfin recevoir de l'aide. Oui. T'es sérieux? Hein? Ah d'accord, c'était pour pas que je remonte. Mais il court en plus. Il va me stresser lui. Il sait pas où je suis, à part s'il a un détecteur. Je crois qu'il a un détecteur. C'est chaud. Ah, il faut que j'atteigne l'escalier, bah oui. Il s'est barré en tout cas. Eh oh, arrête de me maltraiter. Voilà. De toute façon, ce gros tas ne peut pas monter. Mais je les visquille normal. Hein. Oh. Je l'ai esquivé dans le plus grand des calmes, le gros porc. On aurait dit le mec de Bioshock. Encore un mec qui veut me contacter? Allez, on peut ouvrir. Oh, encore une machine morte. Qui est déconnectée. Et là, je peux pas monter, je crois. Ouais, c'est bloqué. Faut aller là-bas. Ah, c'est toi qui parles? What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semkin. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I don't know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Bring it to you. Oh, je crois que je fais une connerie. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je croyais que ça te redonnerait du peps. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor. D'accord. Un docteur, bah si c'est possible, pourquoi pas. Ça m'étonnerait fort. Docteur robot. Docteur pour robot. Mais bah moi j'ai besoin de trouver une sortie.
Oh. Oh God, he's dead. He's dead. Ah oui, il est mort. C'était Carl Semken. Mais attends. Attends, le mec il est mort et son esprit s'est téléporté dans le robot, en fait. Je sais pas comment c'est possible. Ouais. Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas il a fait. Ah, on peut le toucher, on a une vision. Did he get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it. Avant que le gros de BioShock ne retombe dessus. Monsieur BioShock. De toute façon, on va voir comment on peut aider Carl dans la prochaine vidéo. Parce que je suis bloqué, donc le temps que je trouve une solution. Je vais essayer de trouver une solution jusqu'à la prochaine vidéo. Qui sera dans 2 semaines, peut-être. Ou peut-être 3, je sais pas. Bon bref, vu que je fais à chaque fois des jeux différents. Donc, eh ben, on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à me lâcher le petit like des familles si vous avez aimé le jeu et le gameplay. Et ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, comme d'hab. Salut les gens, prenez soin de vous. Ciao. Vous avez bien fait flipper.